Ce week-end, toutes les équipes du centre de formation étaient sur le terrain à l'occasion d'une journée de championnat. En déplacement à Istres ce samedi, la réserve s'est inclinée sur la plus petite des marges, en encaissant un but à un quart d'heure de la fin. Suite à ce deuxième revers de la saison, les hommes de Manu Pires occupent la quatrième place du groupe D de N3. Ils retrouveront le championnat le 23 novembre au Parc Honneur face à la réserve de l'AC Ajaccio. Un peu plus tôt ce samedi, toujours à Istres et face au même adversaire, les U17 nationaux ont partagé les points. Menés au score, les poulains de Fabrice Garrigue ont égalisé sur un CSC provençal peu avant la pause. Malgré de nombreuses opportunités, ils n'ont pas réussi à faire la différence au cours de la seconde période. Score final 1-1. Troisième après 11 journées, les U17 se rendront à Nîmes samedi prochain. Enfin, les U19 ont conclu le week-end en beauté. À la maison, le groupe Demers Fae a enchaîné un troisième succès consécutif devant Toulon. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Sam Alexander et Amadou Bassi. Avec ce succès, les U19 gardent la deuxième place du groupe D. Ils retrouveront d'ailleurs leur voisin, l'AS Monaco, la semaine prochaine, à l'occasion d'un derby qui débutera à 17h30 à Beausoleil.